Si on regarde les cinq objectifs qu'on avait fixés à notre congrès, que j'ai rappelé dans plusieurs interviews la semaine dernière. Le premier, c'était l'accès aux soins. On a suffisamment insisté pour dire que l'accès aux soins passe par nous, malheureusement, et qu'on n'était pas en mesure d'y répondre totalement. Franchement, la question de la fiscalité, on l'a réintroduit dans la résolution. Vous avez noté aussi ce qui n'était pas forcément gagné, parce que ça fait 6 mois qu'on se bat là-dessus, qu'après avoir évoqué devant le président de la République le fait que les pouvoirs publics n'avaient pas tenu parole avec la remise du rapport qui devait mettre à plat l'ensemble des dispositifs fiscaux applicables aux mutuelles. Le président de la République ne s'est pas longuement exprimé là-dessus, mais la phrase qu'il a prononcée ne vous a pas échappé, elle n'a pas échappé à la presse en tout cas, qui est largement reprise ce matin, c'est « ce rapport sera rendu avant la fin de l'année ». Faisons en sorte que nous utilisions ce levier, là encore, pour tirer les fils, pour reprendre l'expression que j'employais tout à l'heure. La maîtrise des restes à charge, notre deuxième revendication, je ne reviens pas dessus, ça passe évidemment par une amélioration des remboursements de la Sécu, ça passe aussi par notre capacité à mettre en regard des offres de qualité à des prix accessibles, les maîtriser, les restes à charge. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait le faire en optique, c'est une ambition en dentaire, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser, mais je pense qu'on peut en faire la démonstration rapidement. De la même façon, le troisième sujet, c'était les soins de premier recours. Pour reprendre ce sujet, ça dépend aussi en grande partie de nous. C'est pour ça que j'avais tenu à rappeler devant Marisol Touraine qu'on avait à notre actif plus de 100 réalisations concrètes depuis notre dernier congrès sur des initiatives extrêmement précises, extrêmement démonstratrices, qui ont finalement permis à la fois d'explorer des nouvelles pistes et de montrer le réalisme économique de nos propositions. Donc j'allais dire, ça c'est pas ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est ce que nous devons attendre de nous par notre mobilisation. La quatrième préoccupation, c'était la santé numérique, pareil, je ne reviens pas dessus. Et enfin, la dernière évolution du code, je l'ai dit, nous avons obtenu, vous à moi, c'était le minimum, mais nous avons obtenu des engagements qui, en termes de délai d'ailleurs, m'étonnent presque, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrivera à traduire dans un projet de loi début 2016. En tout cas, utilisons effectivement cette promesse pour avancer beaucoup plus rapidement. Alors, je vais terminer évidemment vous disant qu'il y a deux ou trois choses qui m'ont fait plaisir pendant ces 4 jours passés ensemble à Nantes, si j'intègre l'Assemblée Générale. D'abord, c'est beaucoup d'entre vous, beaucoup de militants m'ont dit leur fierté devant finalement la mise en évidence de ce qu'on fait depuis des années. On est un mouvement qui a souvent tendance à ne pas valoriser suffisamment nos réussites. Et beaucoup m'ont dit leur fierté, finalement, d'être militant mutualiste, et que bah, cette fierté, elle s'exprime presque plus facilement collectivement quand on est réuni que quand on est isolé, et qu'on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide que les progrès qu'on a pu accomplir. N'ayons pas peur de valoriser ce qu'on a obtenu. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement mutualiste est un des mouvements sociaux qui peut s'enorgueillir d'essayer de travailler beaucoup plus pour la finalité qui est la sienne que pour finalement son propre compte. Et vous vous souvenez que ça a toujours été une de mes préoccupations, on en a beaucoup parlé dans certaines journées de rentrée. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train effectivement de montrer que la mutualité est au service de ses adhérents, au service de la population, et surtout on est en train de rendre cette affirmation crédible, ce qui me paraît beaucoup plus important. Donc finalement, un congrès comme celui qui vient de nous réunir, bah, ça doit nous aider à renforcer encore notre efficacité. C'est aussi des moments d'amitié. Nous étions heureux pour beaucoup de nous retrouver, des moments de convivialité. D'ailleurs, à ce propos, Roland a remercié l'ensemble des équipes qui ont rendu ce congrès possible. Je voudrais m'y associer parce que on a beaucoup vu
nos amis de Loire-Atlantique, alors évidemment, ils s'étaient rendus visibles avec une magnifique marinière, mais ils étaient beaucoup moins nombreux qu'on avait l'impression en les voyant partout, en permanence, pour une raison très simple, une centaine de militants qui, du matin, 7 heures, à des heures auxquelles j'essayais moi d'être déjà couché, étaient présents en permanence et nous ont accueillis avec chaleur. Permettez-moi, ce n'est pas une nostalgie ou de la tristesse, de terminer par une pensée pour René Tolal, tout simplement parce qu'il aurait aimé être avec nous, c'est le premier congrès depuis sa disparition, et je pense que René aurait été heureux des moments de convivialité, des moments de sourire, des moments de reconnaissance, donc ce n'est pas avec tristesse, je pense que René n'aurait pas aimé qu'on l'évoque avec tristesse, mais avec... finalement, beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection que j'avais envie de partager avec vous, cette pensée pour René. Et puis, vous dire, et ce sera mes derniers mots, que pour ma part, malgré la fatigue, je crois qu'on est tous, on va avoir besoin des week-ends pour se remettre, moi je repars avec beaucoup plus d'énergie encore que j'en avais en arrivant, et je repars surtout avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de confiance dans notre mouvement. Donc à très bientôt pour tout le travail qu'on a à faire ensemble.